peut-être l'avez-vous croisé un jour sur le marché de Châteaubriant. Rencontre aujourd'hui avec Gégé en roue libre, un artiste de la rue. Avec sa guitare, Jérôme, 36 ans, interprète du Brel, du Gainsbourg ou du Brassens. Il habille aussi des poèmes de Verlaine et de Rimbaud. Moi j'en ai besoin, donc voilà, c'est, je chante toujours, donc autant que je le fasse aussi au milieu des gens. Puisque je le fais sans arrêt, quoi, je le fais aussi parmi les autres. Sans aucun but particulier, sinon je suis content d'accompagner le pas des gens, comme je disais tout à l'heure. Les amoureux du Havre n'ont pas le droit de la même. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde. Je rêve, des fois je les regarde. Et j'aime bien qu'on se salue. Voilà, j'aime bien ça. Le salut, j'adore. Qu'on se dise bonjour, quoi. Le bonjour, je trouve qu'il est important. Se souhaiter une bonne journée, en fait, ça veut dire ça. Donc ça me plaît. Donc je fais ça, en fait. Je souhaite la bonne journée. Je vais pas plus loin. J'espère que 10 mètres, 20 mètres plus loin, même s'ils se sont pas arrêtés, pour me regarder ou pour me dire bonjour, et bien, par exemple, ils se mettent à siffloter ou peut-être à sautiller ou en se couchant le soir, ils se rappellent d'un air. En fait, ça donnerait ce truc de chanter dans la rue, quoi. Eux aussi. Puisque c'est important, je trouve. C'est peut-être bien une des solutions pour aller bien, ça. Gégé en roue libre arpente également les rues de Rennes et de Vitré. Son rêve le plus fou, devenir le plus grand accordéoniste au monde.